Bonjour, je suis David Hagmann, entrepreneur de travaux forestiers à Saint-Paul-le-Bas en Alsace. Donc mon entreprise effectue la prestation de services dans l'exploitation forestière. Nous sommes à un effectif d'une dizaine de personnes. Donc on a trois bûcherons, un apprenti, quatre chauffeurs de machines, de débardage, un chauffeur de pelle et moi-même. Nous travaillons essentiellement donc sur l'Alsace, tout particulièrement sur le département du Haut-Rhin, sur la Franche-Comté, dans le territoire de Belfort, la Haute-Saône et le Doubs. Alors les travaux qu'on fait, donc l'abattage mécanisé, du débardage, du bûcheronnage traditionnel et la sylviculture mécanisée, entre autres récolte de bois énergie. Alors on a un parc de matériel composé d'une abatteuse Komatsu, un porteur Komatsu, deux débusqueurs HSM 6 roues, une pelle CAS 145 avec une cisaille Westech, essentiellement pour la récolte de bois énergie et les remises en état ainsi que la création de pistes forestières. Entre autres, nous faisons aussi une partie exploitant forestier, donc on achète des coupes sur pied qu'on exploite et qu'on revend à nos différents clients, scieurs, négociants et industriels du bois, et ainsi que des négociants en plaquettes forestières. Là, nous sommes sur un gros chantier de coupe sanitaire dans les épicéas. Donc, notre région est très touchée. Ça fait quasiment deux ans là, qu'on fait que de la coupe sanitaire avec la batteuse. Et là, on est sur une grosse parcelle où je pense qu'on va sortir 2 500 m3 environ. Et donc, moi, je gère essentiellement les chantiers. Je transfère tout le matériel avec notre camion et le porte-engin. Et je cherche le travail et je m'occupe de la partie négoce de bois aussi. Donc nous faisons aussi du bois de chauffage sur le dépôt de l'entreprise avec un combiné automatique et que nous revendons aux particuliers. Donc avec la vidéo, vous allez voir toutes les activités de l'entreprise ainsi que tout le matériel en action et les salariés.
finir la présentation de l'entreprise, j'aimerais tout particulièrement remercier mon père qui m'a transmis son savoir-faire ainsi que la passion de ce métier et de la forêt. Je voudrais aussi remercier tous nos clients, nos fournisseurs, tous nos collaborateurs ainsi que mes salariés et la famille qui est toujours là pour nous soutenir et nous donner un coup de main. Merci à tous.